face? Je t'en prie, laisse-nous tranquille. C'est ça que tu veux? Je veux que tu partes. Chris? On va lui demander son avis. Va-t'en, s'il te plaît. Laisse-le entrer, Chris. Lorraine! Chris! Je t'en prie, non! Lorraine! Ouvre-lui! Oh mon Dieu! Ouvre la porte! Je t'en prie! Mon Dieu, non! Non. Oh non! 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 Elle a dû entendre du bruit. D'accord, merci. Je vous suis, les gars. Pourquoi est-elle descendue sans réveiller? Ça, je comprends. Faites-lui le test de la paraphie. Oui. En route. Vous pensez que c'est moi qui ai tué ma femme? On ne me fait pas pour penser. C'est elle! Trouvez-la! Emmenez-le. Trouvez-la! Maintenant. Occupez-vous de ça. D'accord. Accident de la circulation. J'ai vécu là-bas. Du phare. Vous voulez un café? Un verre d'eau? Non, je ne veux rien. J'ai appelé votre belle-sœur, Lynn. Vous vous entendez bien avec votre belle-sœur, hein? D'accord. Vous dites que vous savez qui l'a tué. Vous pourriez peut-être essayer de me convaincre pour commencer. Avec Lynn, on s'entendait bien. Vous habitiez tous Cincinnati? Ouais. À cette époque, vous étiez heureux, vous et Chris? Elle se sentait bien. Moi, je me sentais bien. On n'avait aucun problème. Je suis marié depuis 12 ans avec elle. Je vois. On peut parler de tout ça demain, hein? Oui, on était heureux. Comment vous dire? Sincèrement, j'étais complet. Salut, beau gosse. Tu devrais être bientôt là. Tu ne veux pas venir te changer? J'arrive tout de suite, chérie. Je peux donner mon avis? Ah, tu crois que je ne le connais pas? En fait, je les aime bien toutes les deux. Comme ça, t'es pas mal non plus, je dois dire. Je ne veux pas effrayer nos invités. Non, il n'y a aucun risque. Et c'est la roche pour voir. Allez. Bon, d'accord. Ça me va pas, c'est pas moi. Oh, ah, c'est très joli. L'approche. Oh non, mais je sais pas. Non, je sais, moi. Oh, ça me plaît. Oh, Jim. Oh, Jim, je crois pas que ce soit l'heure. Pourquoi? Mais Jim, sois sage, d'un moment à l'autre, ils vont tous débarquer si, à la maison. Si, c'était un spectacle, on leur fera après. Oh, Jim. Je t'aime. On a tout le temps. Il y a quelque chose qui t'embête. Tu m'as l'air soucieux. Il y a un problème sur un chantier, hein, Caroline.
Il me demande d'y aller maintenant. Maintenant? Oui, c'est très urgent. Un type les a plantés. Hunter m'a appelé tout à l'heure. J'ai encore 2 semaines de cours à assurer ici. Et de toute façon, j'aurais besoin de temps, un mois, pour tout régler avant de partir. Je sais, c'est bien là le problème. Tu veux y aller tout de suite? Je n'ai pas tellement le choix. Les patrons, ce sont eux. Et s'ils m'appellent, tu crois que c'est une raison de leur claquer la porte au nez? Ce sera notre première séparation. Je sais. Ce sera difficile, mais ce ne sera pas très long. Je vais être près de toi tout le temps. Je sais. Moi aussi. Après tout, je pourrais les laisser en plan. Ou bien je les appelle pour leur expliquer qu'il faudra qu'ils m'attendent un peu. Ils peuvent pas grand-chose. Non. C'est une chance pour toi. On fera ce qu'il faut faire, c'est tout. Ça se passera bien. On n'avait pas l'habitude. Ah ben, bref, l'ours a senti notre odeur et s'est approché. Oui, sacré flair, on s'était pas lavé une seule fois en 4 jours. C'est moi qui raconte, oui ou non? Oui, vas-y. Ça fait 12 ans que Jim et moi on est mariés, on ne s'est jamais séparés, même une nuit. Un jour non plus d'ailleurs. Tu lui apportes son déjeuner tous les jours, gentil et tes bingues. Il me manque. T'es cinglé. Tu es jalouse. Oh, possible. Mais je crois que ça peut-être être marrant de vous séparer un peu. C'est là qu'on voit si on est courageux. Oui, Jim. Je laisserai Sonny dans son coin et puis on pourra sortir toutes les deux. J'aimerais connaître la fin de l'histoire. Avance, allez. Et c'est pas la peine de semer l'ours, j'ai qu'à semer ça. Ah, chérie, où est-ce que tu t'es passée? Je causais avec Lynn. Quelle bavarde, tu me manques déjà, tu vois. Alors, tout le monde a faim? Oh, oui, oui. Eh bien, ça tombe bien, c'est prêt. Voilà. Tout y est. Allez. Je revoyais l'époque où on a construit cette maison. Tous les jours, après le travail, je venais, je bossais jusqu'à la nuit tombée. Et toi, après tes cours, tu venais nous faire un dîner ici, sur le trottoir, tu te souviens? Puis on a réussi à en venir à bout. Quand je pense à ces jours-là, c'est drôle, je ne vois personne à part nous deux. Moi non plus. Tu devrais y aller. Tu as de la route. Vas-y. Rentre à la maison, tu vas attraper froid. Allez, rentre. Content de te revoir. Il y a quelqu'un que je voudrais te présenter. C'est un des ingénieurs du chantier. Jim. C'est Jim Lansford. Jim Reynolds. Enchanté. Hunter m'a déjà parlé de vos exploits dans l'Ohio. Il a dit que vous êtes génial. Génial? Je l'ai payé pour dire que j'étais le meilleur. Il faudra juger ça sur pièce, pas vrai? Oui, sans doute. Salut, à plus tard. Alors, où on en est? Bah dis donc, je vois qu'on se laisse pas à part. Alors? Paire de 8. 3-5. Oh! Bienvenue à Southport. Hey Jimbo, viens voir ici. Il faut que je te présente quelqu'un.
Jim, voici Jack tout de travers. Il n'y a pas deux soudeurs comme lui. Jim Lansford. Content de vous connaître. Jack tout de travers. Mais un nom pareil cache bien une histoire. Il y en a une, mais cherche pas à la connaître, non? J'avais peur que vous ne soyez tout seul dans votre chambre. Vous êtes si loin de chez vous. Hey, je suis ici et c'est pas très malin. Ma nuit va être affreusement courte. Vous visez comment après quelques verres? Ah ben, ça je sais pas. On va le savoir tout de suite. Attention! Ça va! Merci. Je me paierais un taxi si j'étais à sa place. Cali, un whisky. Une fois, j'ai lu un bouquin. Mais c'était pas... Proust. Oui, je savais. De quoi ça parle? D'un homme qui ne peut pas avoir ce qu'il veut. Et ça me dit quelque chose. Salut, Connie. Bonsoir. Excusez-moi. Ravi de vous avoir rencontré. Fille du bar. Tu ne te souviens pas de moi, ça me fait de la peine. C'est Hunter qui me fait une blague, c'est ça? Nous devrions apprendre à nous connaître. Je pourrais attendre que tu fasses les premiers pas, mais pourquoi? Nous sommes tous deux adultes. C'est quoi votre petit nom? Pourquoi? Je préfère savoir à qui je m'adresse. Elle trouve que c'est plus intéressant comme ça. Je serais très heureux de vous aider et je suis flatté, mais... Et j'ai une femme, je suis marié. Oh, c'est ce qu'ils disent tous. Sauf ceux qui te disent que leur femme ne les comprend. Et en général, à ce moment-là, on est dans une suite d'hôtels somptueux. Écoute, je voulais juste te souhaiter la bienvenue à Southport, d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tu es déjà allé jusqu'au phare. Tu as un jeep, quelque chose comme ça? C'est un explorer. On a tous un côté aventure. Alors, peut-être que je te verrai un jour. Donnez le bonjour à Hunter de ma part. Comment ça se passe? J'ai plus qu'à vérifier l'alignement du poste d'amarrage numéro 3. Là, ça m'a l'air tout à fait droit. Qu'est-ce que t'en dis? Lequel de vous deux est Jim Lansford? C'est moi. Alors voilà. C'est quoi ça? C'est pour vous. Hier soir, ce fut merveilleux. Signé elle. Mais il faut que tu me donnes ton secret, mon pote. Aucune femme ne m'a jamais envoyé de fleurs. C'est à mourir de rire. J'espère que t'en as eu pas autant fric. Moi? Pourquoi? Mais de quoi tu parles? D'accord. T'as pas un vin sous la main? Arrête tes bêtises. J'y suis pour rien. Allô? Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Dites à Hunter que les plus courtes sont les meilleures. C'est pas de Hunter, c'est d'un poète français. Tu as eu les fleurs? C'est une petite plaisanterie qui va commencer à coûter cher. Ah oui, c'est une plaisanterie alors. Je m'amuse bien, moi. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis parfaitement heureux en ménage. Oh, je t'en prie. Personne n'est si heureux que ça. Je vois. Je vais jouer le jeu. Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez? Vous allez à l'école? Tu trouves que j'ai l'air d'une lycéenne? Bon, alors vous travaillez. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là? Pardon, je prenais une cigarette. C'est dangereux de fumer. Tu te soucies de ma santé?
Alors, comment vous vous appelez? Oh, ce n'était pas si important l'autre soir, n'est-ce pas? Allez, dites-moi comment vous vous appelez. Lorraine? Écoutez, il faut que je raccroche. C'est bien vu. Et c'est là. Imagine que je me trouve près de toi. Que c'est moi. Moi qui, du bout de mes doigts, déboutonne ta chemise. Mais attendez un peu, écoutez. Ça devient trop bizarre pour moi. Écoutez, je ne veux surtout pas vous froisser, mais... Ne rappelez plus. Et ne m'envoyez plus de cadeaux, d'accord? Bon, écoutez, vous commencez à me... C'est moi. Ah, tu vas bien? T'es pas libre à l'instant. Oui, je parlais avec eux. Tu croyais que c'était qui appelait? Personne. Je parlais avec quelqu'un pour le boulot, c'est tout. Alors, comment ça va? Ça va bien. Ah. Il pleut ici. Ah. Si vous n'aviez rien à cacher, pourquoi ne pas lui avoir parlé des Afghans? Et en parler? Mais à quoi bon? Vous n'avez rien fait de mal. Vous vous sentiez menacé. Vous étiez quand même marié à cette femme depuis 12 ans. Pourquoi ne pas lui avoir expliqué tout ça si c'était un problème pour vous? Vous n'êtes pas marié, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas de moi. Je ne sais pas. Peut-être que j'avais peur qu'elle me... Qu'elle ne vous croit pas? Chris n'a jamais douté de moi. Pas une seconde. Vous en avez de la chance. Pourquoi vous avez ce ton avec moi? C'est parce que je viens de New York, là-bas, on parle sur ce ton. Si vous voulez m'arrêter, qu'est-ce que vous attendez? Parce que je pourrais me taire maintenant, ne rien vous dire de plus. C'est pas une mauvaise idée. J'ai encore reçu des fleurs, presque chaque jour. Accompagnées à chaque fois d'une carte délirante. Sur la fabuleuse soirée de la veille, où elle me disait qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. À ce moment-là, je savais que ce n'était pas clair. Ben, je veux dire, je savais qu'elle n'était pas claire. Il y a ton ami qui est encore là. Bien. Et voilà. Merci. Ah, il y a ça aussi. Hé, hey, Rick. Ouais. Qui t'a donné ça pour moi? J'en sais rien, mais c'est Connie qui me l'a passé, je peux lui poser la question. Non, c'est pas grave. Ouais, faudrait voir. Ne rentre pas trop tard. Mais qu'est-ce que tu fais là? Quel charmant accueil! C'est pas ça, mais j'ai eu peur en entrant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es venue? J'en avais assez. J'aurais pas tenu une minute plus sans toi, alors j'ai décidé de partir. J'ai tout laissé. Oh. Aline et Sonny. Tu me manquais tellement. Tu me manquais.
n'avait jamais été comme ça, je t'aime. Bonne journée. Il va faire encore chaud. Ouais. Je vous l'apporte tout de suite. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Goûte le pain perdu, il est très bon ici. Qu'est-ce que c'est, Jim? J'ai trouvé ça dans la chambre. Il n'y a pas de nom. C'était peut-être resté dans la chambre du client d'avant. Non, 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 c'est vrai que j'aurais dû t'en parler plus tôt. J'ai une admiratrice. Ah oui. Non, je prendrai bien un café. Dis-moi ce qu'il y a. Eh bien, le premier soir au téléphone, tu te souviens? Je devais avoir l'air bizarre, t'as remarqué? Eh bien, un peu avant, cette femme m'avait appelé. Je n'ai pas su son nom, mais elle a dit que je lui plaisais, qu'elle voulait qu'on se voie, qu'on se retrouve quelque part. Alors, c'était qui? Je te l'ai dit, je sais pas. Tu l'as vu quelque part ou tu as causé avec Chris, elle? C'est sûr que j'aime bien parler aux gens. Tu me connais, mais moi, je suis pas un type qui emballe les filles. Elle t'a envoyé des fleurs. Ouais, deux ou trois fois. Une fois au boulot. Je pensais que c'était Hunter et les autres qui me faisaient une blague pour rigoler un peu, mais il m'a juré qu'il n'y était pour rien. Jim, cette carte dit... Oui, je ça sais, n'a jamais été je comme sais, ça, c'est ce que dit vraiment. La carte. C'est son imagination qui lui joue des tours. Un grand café, une omelette au jambon, comme d'habitude. Oh, j'ai raconté à Chérie ton histoire de peur de garage automatique. Elle rigolait comme une baleine, je te dis pas. Je suis... Chris. Oh, je suis Vanda. Vous êtes encore plus jolie que Jim l'a dit. Il n'arrête pas de parler de vous. Il nous en a rebattu les oreilles. Qu'est-ce que je vous sers? Du pain perdu et un jus d'orange. Tout de suite. Tu ne sais vraiment pas qui ça peut être? Je n'en ai aucune idée. Tu sais, tu as de la chance que j'ai confiance en toi. J'ai beaucoup de chance. Je lui ai demandé de me laisser tranquille. Elle comprendra. Oui, désolé. C'est rien, je t'ai remplacé. Sympa. Hey, Jim, comment va ta copine? Chris est arrivé hier soir. Chris? Sa femme. Oh, va falloir la jouer fine, hein. Jacques, lui, croit que c'est Connie, la petite qui tient le bar chez Tini. Oh, les gars, surtout ne dites rien devant Chris, d'accord? Sans blague, vous savez ce que c'est. Pas moi. Je suis pas marié, oublie pas. T'es marié, toi, Jack? Eh oui, mais je suis pas très sensible. Enfin, c'est ce que dit ma femme, en tout cas. Sérieusement, les gars, Chris est très possessive. Comprenez-moi bien, ça me plaît qu'elle soit comme ça, mais ce qu'on peut trouver marrant n'est peut-être pas forcément pour elle. Alors, ne dites rien, d'accord? Vous me jurez que c'est pas vous qui avez combiné ça? Parole de scout. Ouais. T'as vraiment été scout? Non. Moi non plus. Je n'ai pas arrêté de penser à toi aujourd'hui et à la nuit passionnée qu'on a passée l'autre fois. À tes mains qui me parcouraient. Oh, tes mains. C'est à elles que je pense en ce moment. J'ai encore tellement envie de toi, Jim. Il faut qu'on recommence. Très bientôt. Carbonate de potassium. On boit ça, nous? Qu'est-ce? C'est affable. La vie est injuste. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une surprise pour toi. Qu'en penses-tu? C'est superbe. C'est alloué? Non, ça ne l'est plus. J'ai versé un petit acompte ce matin. Qu'est-ce que tu as? Oh, rien.
Je croyais qu'on chercherait une maison tous les deux, c'est tout. Il fallait que je quitte ce motel au plus vite. Je voulais trouver un autre endroit, un endroit propre. Il ne s'est rien passé dans ce motel, tu dois me croire. Il ne s'est rien passé. Oui, Jim, je le crois. C'est vrai, je te crois. Viens, oublie ça. Je n'ai pas envie d'en parler. Viens. Viens voir l'intérieur. Je suis sûre que ça va te plaire. Attends, on va faire ça comme il faut. Je t'aime. Et voilà. C'est super, non? Tu imagines nos meubles ici? Ce sera magnifique. On mettra ton fauteuil ici, comme dans notre ancienne maison. Je pense qu'il nous faudrait une table de salon. Viens voir, regarde là, c'est la salle à manger. Il y a une cheminée, c'est parfait. Viens, il y a encore mieux. Tout ça, c'est à toi. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Incroyable. Ah, j'ai dit au déménageur de venir. Je vais te montrer le premier étage. Wow! J'ose demander combien c'est? C'est dans nos moyens. Viens voir. C'est notre chambre. Attention, on a une vue. Oh, tu t'es vraiment surpassée cette fois. Là, je trouve que ce n'est plus drôle, Jim. Plus drôle du tout. Chris! Ça n'a jamais été drôle. Tu crois que ça me fait rire? Tu sais qu'elle a fait livrer une chaîne stéréo au motel ce matin, avec une cassette où elle parlait, enfin une sorte de lettre où elle parlait et reparlait d'hier soir. Mais je te répète que c'est une cinglée. Elle me suit, elle me suit et je ne peux plus supporter. Moi, je craque. Dis-moi la vérité. Dis-moi tout pour que j'arrive à m'en sortir. Vous demandez de l'arrêter parce qu'elle envoie des fleurs? Elle nous harcèle. Comment s'appelle-t-elle? Je ne sais pas. Lorraine. Lorraine quelque chose. Mais je doute que ce soit son vrai nom. On est très avancé. Son adresse? Je ne connais pas son adresse. Je suis sincèrement désolé. On ne pourra rien faire tant qu'elle n'aura rien fait d'abord. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Qu'elle me tue? Oui, par exemple. Vous désirez? Je suis Jim Lunsford. Oh, bonjour. Les roses n'ont pas tenu? Non, non, les roses étaient parfaites. Je veux savoir qui les a envoyées. Elle a dit que vous viendriez mener votre petite enquête. C'est le mot exact qu'elle a utilisé. Elle veut rester pour l'instant une admiratrice inconnue. On a déjà eu des dames comme on ne dit jamais rien. Mais ça devient embêtant. Je crois savoir de qui il s'agit, mais je ne suis pas certain. Enfin, s'il vous plaît, dites-le-moi. C'est elle qui vient ici? Dites-moi au moins ça. Elle se déplace des fois. Souvent, elle téléphone. Comment est-elle? Non, ne lui en dis pas plus. Ça gâcherait tout. On ne vous dira rien de plus. C'est notre meilleure cliente, monsieur. Eh, c'est pas étonnant. Je trouve ça romantique. 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 26. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Oh, excusez-moi. Pardon. Non, ça va? On ne se connaît pas. Officiellement, je suis Jean. Je travaille avec Jim. Je fais partie des ingénieurs du chantier. Je vous ai vu venir les chercher. Oh, enchantée. Vous ne travaillez pas aujourd'hui? Oh, non, on a tous un jour de congé. Il y a un problème avec les ouvriers et on nous a dit de rester tous chez nous. Jim n'en a rien eu. Il faut peut-être qu'il soit sur place. Je croyais que ça valait pour tout le monde. C'était un tailleur bleu ciel. J'ai déposé mardi. Il faut que je me dépêche. Ravie de vous avoir rencontré. Moi aussi. Vous savez, j'ai dit à Jim qu'on devrait se voir un de ces jours. Excusez-moi. En couple? Oh, oui. Je vais le lui rappeler. Au revoir. C'est pour ça que tu n'étais pas au chantier. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a sûrement coûté une fortune. Tu as besoin d'une voiture. Et c'était une affaire. Alors c'est ça que tu veux? C'est comme ça que tu me vois? Mais ce n'est qu'une voiture. On la change si tu l'aimes pas. Jim, je suis désolée. Je me vois mal dans une voiture de sport, c'est tout. Mais tu sais, chérie, ce n'est pas une voiture ordinaire. Viens t'asseoir. Elle est de 1956, c'est une Thunderbird. Mmh. Et elle n'attend que toi pour démarrer au quart de tour. Mmh.
On a du pain sur la planche, hein? Ouais, c'est bon, là. Tu as fait comment? Je croyais qu'il fallait 3 semaines pour avoir le téléphone. Je sais pas qui s'en est occupé, mais ce n'est pas moi. Et cette même personne a payé la facture et a demandé à ce qu'il y ait 2 lignes, dont une ligne directe dans ton bureau. Ben, c'est sûrement mon entreprise. Et c'est ton patron qui a payé la facture. Elle a aussi envoyé une bouteille de ton cognac préféré et 2 verres en cristal attachés par un ruban rose. La carte dit « À notre santé, nous touchons au but, à bientôt ». Oh, il y a un autre petit truc. 2 billets à destination de Paris. Est-ce que ça va là, ça? Hé, hey, attendez. Qui a manigancé tout ça exactement? Il me faut un nom. J'ai été envoyé chez vous pour faire cette installation. Et tout ce qui se passe en dehors de ça, c'est votre problème. Je vous demande pardon. Mais ça va. Je te jure que je n'ai jamais rien fait contre toi, crois-moi, Chris. Et je ne ferai jamais rien. Il faut qu'on arrive à régler cette histoire. Tous les deux. Non, Jim. Non, c'est à toi seul de régler ça. Il faut que ça s'arrête maintenant. Chris et moi, on en a marre. On va être tranquille. Tu peux savoir de quoi tu parles? Mais qu'est-ce que tu attends, moi? Je n'y avais jamais réfléchi. J'en ai plus qu'à 7 ton numéro. Je ne marche plus. Où est passé tout son charme? Les rivets d'ancrage sont arrivés? Oh! Tu les as pas commandés? Je deviens cinglé. Ouais, il y a 2 sortes de cinglés. Le cinglé qui bosse, d'une part, et le cinglé au chômage, d'autre part. Je suis passé par les deux. Le cinglé qui bosse, c'est mieux. Je vais les appeler tout de suite. N'en fais pas pour ça, je m'en charge. Il paraît que t'as disjoncté chez Tini hier soir. Je ne sais plus du tout quoi faire. En tout cas, ce que tu dois pas faire, c'est accuser n'importe qui. Les gens vont finir par s'énerver. Laisse les flics s'en occuper. Ils ne peuvent rien faire tant qu'elle n'a rien fait d'abord. Super. Mais je peux te dire que c'est pas Ellie. Et qui d'autre ça peut être? C'est terminé, les modifications du poste 8? Hé, et voilà. Tu retournes au bureau en fin de journée? Ouais. J'ai des changements qu'il leur fallait. Je suis coincée ici. Je dois voir l'inspecteur. Tu pourrais... Il pourrait quoi? Le truc que j'ai remarqué, c'est que tu veilles à ce que ton travail ne gêne pas tes fantasmes. Oui, laisse-les près de la porte. Génial. J'aime bien ta chemise. Elle est folle de moi. J'ai oublié? Eh bien, de dire merci pour le cognac d'abord. Qui vous a donné ce numéro? Tu continues à me sous-estimer, mon chéri. Voyons. Tu t'es fait couper les cheveux hier. Et en ce moment, tu portes une chemise bleue et un pantalon kaki. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de me suivre. Bien sûr que si, trésor. Les amants se suivent tout le temps. Regarde sur la banquette arrière. Ça te plaît? Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous vous amusez à faire ça? Tu vas retrouver ta petite épouse assommante. Bon, écoutez-moi. Maintenant, vous nous fichez la paix à tous les deux.
d'habitude, Lorraine. Quelle agréable surprise. Je me suis dit qu'on s'en faisait pas assez, des agréables surprises. Wow. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de toi. Chris. Tout de suite. Attends. Je vais t'épuiser. Ma chérie, embrasse-moi. Qu'est-ce qui te prend ce soir? Arrête maintenant. Viens. Je t'en prie, Chris. Je n'aime pas ça. Non, arrête. Tu aimerais si c'était elle, hein? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Dis-moi. Elle essaie de t'acheter, voilà ce qu'elle veut faire. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Elle est raffinée, elle a de l'argent, elle est habituée à avoir tout ce qu'elle veut, aussitôt qu'elle le veut, et c'est toi qu'elle veut. Chris, je t'en prie, écoute-moi. Je ne suis pas à vendre. Tu es la seule femme au monde que je veux, et je ne veux pas une nouvelle version de toi. Même si elle avait $1 million et ressemblait... Je ne veux pas d'elle, Chris. C'est toi que je veux. Ça a toujours été comme ça. Je ne reçois plus rien. Elle ne téléphone plus. C'est terminé. Tu n'as plus qu'à oublier cette histoire. Tu lui as parlé tout à l'heure. Je l'ai vu dès que tu as passé la porte. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je lui répète de ne plus téléphoner et elle continue. Il n'a pas dit la vérité. Parce que tu ne crois pas la vérité. J'ai pas l'intention de répondre. Laisse sonner, Chris. Chris! Vous avez peut-être un vrai problème. Vous auriez peut-être besoin de voir quelqu'un. J'ai seulement envie de te retrouver, c'est tout. C'est impossible. Combien de fois faudra-t-il que je vous le répète? Tout ce que je veux, c'est que ça redevienne comme avant. Tu me manques. J'ai besoin de te sentir près de moi, Jim, d'être avec toi. Et je... Parfois, tu me manques tellement. Ça me pousse à faire des trucs dingues. Dis quelque chose, Jim. Je vais raccrocher. Non, attends. Ne raccroche pas, tu es ma seule chance. Je n'ai que toi au monde. Je n'ai jamais connu ça avant. Tu comprends ce que je dis? Si on ne peut pas être ensemble un jour, je ne sais pas ce que je ferai, Jim. Non, arrêtez, ne dites pas de bêtises. Des fenêtres ni des portes n'ont été forcées. Si un tiers est venu la tuer, c'est quelqu'un qui l'a fait entrer. Oui, dehors, devant cette fenêtre. Pas d'empreinte? Il n'y a pas de quoi s'affoler, mais il n'est pas impossible que quelqu'un soit passé. On n'a pas les résultats du test de la paraffine pour lui. Non, la femme a une brûlure visible à la main droite. Elle a dû se protéger de lui ou d'elle, ou Dieu sait quoi.
Ou c'est peut-être un suicide, mais pourquoi la pièce est sans dessus-dessous? C'est pas un suicide. Vous en avez souvent vu des droitiers qui se tirent une balle dans la tempe gauche, vous? Enfin, tenez. Donc, elle a écouté ce coup de téléphone depuis la chambre. Et rien n'a plus jamais été pareil après qu'elle nous a entendu discuter. Ça devenait réel pour elle. C'était déjà bien réel pour moi. Pourquoi ne pas avoir raccroché quand Lorraine vous a appelé? Elle semblait très abattue. On aurait dit qu'elle était prête à faire une bêtise. Et alors? Vous n'auriez pas eu de meilleure solution au problème? Elle s'efface, vous vous raccommodez avec votre femme. Comme vous voulez. Vous ne savez rien de moi. Vous croyez avoir votre petite idée sur moi et sur ce qui s'est passé chez moi, mais vous vous trompez. Vous avez dit à votre femme que vous ignoriez tout à fait qui était Lorraine, mais vous mentiez pas vrai. Je croyais savoir. Je devais faire erreur. J'en sais rien. Et puis, la sœur de Chris, Lynn et Sonny sont venues nous voir. Ce que je pensais n'a plus eu grande importance. La situation s'est vite dégradée. Bientôt, on s'est retrouvés à deux contre un. Hé hey, c'est pas la pêche miraculeuse. Ah, il est tellement sans surprise. C'est une bonne chose de temps en temps. Cette fille est toujours dans les parages? Oui. Ça empire. C'est terrifiant. Je m'en veux de me montrer si dure avec Jim. Je sais qu'il essaie de la raisonner. Que dit la police? Ils sont obligés d'attendre qu'elle enfreigne la loi pour intervenir. Tu n'as aucun souci à te faire. Je suis là maintenant et je vais la retrouver. Et m'occuper personnellement de son cas. Promets-moi de ne pas te mêler de ce qui se passe ici. Ah, il n'est pas question que je promette ça. Si toutes les deux on a survécu jusque-là, c'est parce qu'on s'est serré les coudes. C'est pas maintenant que je te lâcherai. Sonny! Ne rentre pas avant d'avoir pêché le dîner! Oui, sortez les grosses casseroles! Je pense sincèrement que Jim est aussi une victime dans l'histoire. C'est vraiment ce que je pense. Tu ne te rends compte de rien. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Écoute, Chris, Jim a une liaison. Et c'est pas une femme qui s'est montée la tête et qui délire. Il se peut parfois que les apparences soient fidèles à la réalité. Et tu en as un parfait exemple. Il est gentil, Jim. Je l'aime bien. Mais il y a des gens à qui on fait trop confiance et on le regrette après. Tu as tort. Je sais qu'il mérite ma confiance. J'ai une question à te poser. Tu réagirais comme ça si le type te disait carrément en face que tu n'as aucune chance avec lui? Oh, mais je ne sais pas. Je ne suis pas elle. Je me fais du souci pour toi. Il y a assez de charbon de bois, Lee. Faites gaffe, les filles. Vous allez mettre le feu au quartier. Jim, il y a un autre secours. Qu'est-ce qu'on ferait sans Jim, hein, Chris? Lynn, tu vas bien? Je m'ennuyais de ma sœur. Je voudrais t'embrasser, mais je suis vraiment sale. Je te dois un bisou. Oui, je m'en rappellerai. Oh, salut, meuf. Tu n'as qu'à m'en garder un aussi. Alors, où est Sonny? Oh, il est en train de nettoyer ses poissons. Il ne perd pas de temps, hein? Moi, j'ai encore rien attrapé. Oh, c'est pas ce qu'on raconte. Écoutez, je vais faire la bonne toilette. Je me dépêche. Alors, tu vas t'acheter un bateau? Oui, j'ai repéré un petit voilier. Je pense que je me ferai vite à cette vie, même à la chaleur. Ouais, t'as à peu près tout ce qu'il te faut, Jim. Hein? Mais tu n'en sais pas la moitié. Hein? De quoi? Dis-lui, s'il te plaît, Chris. Quand elle rappellera, je veux que tu lui dises que tu veux la voir quelque part. Et je veux être présente quand tu lui diras que c'est fini entre vous. On en parlera plus tard, s'il te plaît. On est de la famille? En fin de compte, j'aurais du mal avec la chaleur. Sonny! Mais qu'est-ce que j'ai dit encore? C'est une idée à toi, Lynn? Eh bien, à vrai dire... Non, 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 c'est mon idée.
Quelqu'un veut une bière avec moi? Bien. Oh, c'est un super plan. La prochaine fois qu'elle appelle, je lui dis. Ensuite, ça risque d'être 10 fois pire, mais on s'en balance. On fera quelque chose, au moins. Hey, ça fait du bien de prendre l'air. On aurait peut-être mieux fait d'aller dîner dehors tout de même. Je ne sais pas. Bon sang, j'ai envie de tout casser, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre toi et cette femme? Rien. Ouais, c'est peut-être rien pour toi, mais c'est quelque chose pour toutes les deux. J'ai jamais vu Chris dans cet état. Il y a Lynn qui refuse de me parler. Je déteste ça. Mais je te répète qu'il n'y a rien. Je ne l'ai jamais vue, cette femme. Je te jure que je ne l'ai jamais rencontrée. Et Chris ne veut pas me croire. Tu crois vraiment, Lynn? Aie confiance en moi. J'ai une amie qui a fait ça. Il suffit de le fixer sous son bureau. Les coups de fil le déclencheront, c'est ta commande vocale. Il ne se doutera de rien. Je n'ai pas besoin de ça. Oh, si, tu en as besoin. Tu auras besoin de preuves quand tu divorceras, n'oublie pas ça. Lynn, on n'en arrivera pas là. Mais ça, on ne sait pas, Chris. Non, écoute, Lynn, je n'aime pas ça. C'est un peu déloyal. Tu veux qu'on parle de déloyauté? Mais imagine qu'ils disent la vérité. J'espère que tu as raison. Donne. Écoute, si tu veux qu'on présente ça autrement, tu peux te dire que tu réunis des preuves que tu vas ensuite donner à Jim, qui pourra se blanchir et vous vous réconcilierez. Si c'est réellement ce que tu veux. Oh! Qu'est-ce que ça soupe dehors? Où sont Lynn et Sonny? Sonny voulait aller jusqu'à Wilmington pour voir un film. Il est long, ce film. Bonsoir. Arrête, non. Chris. Non, il faut que je sorte, que je prenne l'air. Pourquoi faire? J'ai besoin de temps. Chris. Hey. Allô? Je te manque. J'attendais votre coup de téléphone. C'est vrai? Je suis allée passer le week-end à New York. Un petit voyage culturel. On devrait y aller ensemble. J'ai regardé les lumières dehors. Je me suis promenée dans le parc. J'ai beaucoup pensé à nous. Je suis arrivée à certaines conclusions. Chris doit nous laisser tous les deux. Il faudrait qu'on se retrouve quelque part. J'ai été patiente. Personne ne peut m'accuser de ne pas avoir été patiente. Et tu n'as pas fait ce que tu avais dit, Jim. Tu ne l'as pas quitté. J'ai peur qu'elle nous écoute. Je l'ai revue l'autre jour, Chris. Il était loin de se douter. C'est qu'une petite souris. Bon, alors, on peut se voir, oui ou non?
m'a l'air sérieux. Il s'est passé quelque chose. Je voudrais qu'on discute. D'accord. Où veux-tu qu'on se voit, Jim? Tu veux que je passe te prendre? Elle a appelé. Je dois la voir au relais du bois à 9h. C'est ton idée ou la sienne? Écoute, j'essaie de faire ce que tu veux. Je n'ai jamais eu l'idée de tout ça. Tu tiens le cerceau, moi je saute à travers. Pars tout de suite, je prends ma voiture. Pourquoi? Elle surveille nos moindres déplacements. Je ne veux pas qu'elle s'effraie et se sauve. Votre bourbon, monsieur. Merci. Bonsoir. De l'eau de sels. Oui. Merci. Souhaitez-vous commander, monsieur? Non, je vais attendre. Bonsoir. Chez. Rappelle-toi que je ne suis pas mariée. Chris! Attends, Chris! Chris, c'est pas Jean, Chris. Elle était accompagnée de son fiancé. Ah oui, je n'ai vu aucun homme. Mais parce que tu es partie. Mais si ce n'est pas Jean, alors qui est-ce? Où est-ce qu'elle est? On attend depuis une heure. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache? C'est toi qui l'as prévenue, c'est évident. Je ne vais pas rester ici pour me faire ridiculiser devant tout le monde. Chris! Chris! Écoute, je suis désolé, elle a dit qu'elle serait là à 9h. Laisse-moi tranquille, je vais me coucher. Laisse-moi te parler. Non. Attends. Tu as laissé la porte ouverte? Non. Reste là. Ne bouge pas.
Calme-toi. Allez, plie. Calme-toi. Je suis là. Je suis là. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Où est votre mari? Je ne sais pas, dehors. Vous avez été absente chez vous combien de temps? J'ai quitté la maison quelques minutes après lui. On est parti environ une heure. Une chance. Vous avez un permis pour ça? Mon mari en a un. Cette femme, vous l'avez vue? Non. Est-ce que vous lui avez déjà parlé? Non, elle téléphone quand je suis pas à la maison. Je le suppose, j'en sais rien en fin de compte. Il dit qu'une fois, elle lui avait téléphoné dans sa voiture. Parfois, on l'appelle sur sa ligne directe, je décroche, mais il n'y a personne au bout du fil. Mais rien de tout cela ne s'est jamais produit avant. Enfin, rien d'aussi violent. Je trouve que tout ce qu'elle fait, c'est violent. Mais non, elle n'avait jamais forcé l'entrée de ma maison, ni déchiré nos vêtements avant ce soir, si c'est de cela que vous parlez. Je sais que ça doit être vraiment très dur pour vous. À chaque fois, je pense que c'est fini. Et quelque chose se produit, justement. Êtes-vous sûr qu'il a bien une liaison et qu'elle continue encore? Si vous avez une meilleure explication, je serais vraiment très heureuse de l'entendre. Alors, où en êtes-vous? Eh bien, on a cherché des empreintes et sans aucun résultat. Bon, alors, si on parlait d'homme à homme. Vous l'avez rencontré comment? Il vaudrait mieux que vous me disiez la vérité, qu'on reparte sur de bonnes bases. D'homme à homme? Je ne la connais même pas. J'ai rien fait, j'ai aucun tort. Laissez-moi donc en paix et retrouvez-la. Faites votre travail. Ah, oh, excellente idée. Il y a une chose que je sais. Votre femme a peur. J'ignore si elle a peur de vous ou de cette autre femme. Ou bien des deux. Mais elle a peur. Qu'est-ce que vous en déduisez? Il faut savoir que les gens dans ces circonstances peuvent avoir parfois de drôles d'idées. Une Mercedes Clio métallique année 1990, immatriculée en Californie. Pas de signalement pour les conducteurs ni pour les passagers. Ils auraient pris l'autoroute direction Raleigh. Passé, mon joli. Ben, j'étais dans le coin. Dis donc, Ellie, l'intello qui lit des bouquins, tu sais où elle habite? Je crois que Tini le sait. Pourquoi? Oh, pour rien, je te remercie. Ouvre, notre chien, ouvre! Qui est là? Tu sais très bien qui je suis, ça suffit. Ouvre cette porte! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, tu es vraiment ignoble, tu sais. Mais tu as passé les bornes cette fois-ci. J'en ai marre. Je veux que tu sortes de ma vie. Calme-toi, Jim. Arrête. Je t'ai pourtant dit que c'était pas elle. Je te l'ai dit. Bon sang, alors qui c'est? Dis-moi qui c'est. Ça, j'en ai aucune idée. Elle fait une réaction allergique. Prévenez le labo pour les analyses et préparez la salle 5. Oui, docteur. Il faut que vous attendiez là. Ça va aller. Elle s'en sortira. Ne fais pas, ma chérie, ça va aller. Surveillez-la. Où elle est? Qu'est-ce qu'on lui fait? Ça va aller, ils font tout ce qu'ils peuvent. Chris! Mais non, ma chienne, t'étais où? Lily! Pourquoi tu n'étais pas là? Calme-toi, chérie, là, c'est. Il n'en a rien à faire d'elle, c'est évident! Lily! Mais écoute, ils ne nous laisseront pas entrer pour l'instant, on ne peut rien faire qu'attendre. Viens, on va boire un petit café. Mais attends. Allez, suis-moi. Sont pour ralenti. Allez. Prépare l'injection. Docteur Harry, c'est pris d'appel de poste 42. Docteur Harrison, 42. Merci.
Elle s'en remettra. Le docteur Johnson est attendu à l'accueil. Où elle était ? À la maison, en haut. Elle étouffait. Où tu étais passé ? J'étais parti en ville. Il est temps que tu règles cette histoire maintenant. Tu dois être correct. Et je fais quoi précisément, Sonny ? Jim, je ne suis pas contre toi, là. Quand je suis en déplacement pour le travail, j'admets que je mets ma clé sur le mauvais boulon, parfois. Écoute-moi, Sonny. Ta clé, tu sais ce c'est que... C'est vous, Jim Lansford ? Oui ? Votre femme ne risque plus rien. Cependant, elle est allergique à l'aspirine. Il semble qu'elle en ait avalé un gramme environ, ce qui représente 4 cachets. Attendez, mais c'est insensé. Enfin, elle sait qu'elle est allergique à l'aspirine. Elle ne s'en sert jamais. Elle a toujours d'autres médicaments. On n'a jamais d'aspirine chez nous. Dis-lui, Lynn. Je veux la voir. Elle dort pour l'instant. Je voudrais la garder en observation, au moins jusqu'à demain matin. J'ai toujours cru que j'étais tout ce qu'il voulait. Mais peut-être parce que lui était tout ce que j'ai jamais voulu. On était toujours tous les deux. Jamais il ne nous serait venu à l'idée, à l'un ou à l'autre, de partir tout seul ailleurs. Les gens disent parfois qu'ils ont besoin de se retrouver un peu seuls. Pour nous, ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours eu envie de tout faire avec Jim. Et durant toutes ces années, j'ai cru qu'il ressentait la même chose pour moi. J'ai cru qu'il m'aimait comme je l'ai toujours aimé. J'ai réellement été aveugle. Bien. À votre avis ? Je crois qu'elle n'a pas du tout essayé de se mettre en danger. C'est un accident. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Écoutez, je ne sais pas dans quelle mesure elle vous a raconté ce qui se passe, mais... Enfin, disons que nous nous sommes embarqués dans une sombre histoire ces temps-ci. Il m'a parlé de cette autre femme. J'ai tout fait pour essayer de la décourager. J'ai essayé de la menacer. J'ai essayé de me montrer plus tolérant, d'écouter son point de vue, malgré tout le reste. Moi, j'en peux plus. Comment faire ? Une fois qu'on a tout essayé, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Mais Chris ne me croit pas. Comment ? Vous pouvez me dire comment je pourrais arriver à... Comment lui prouver que je n'ai rien fait de mal ? Imaginez qu'elle vous dise ce que vous lui dites. Imaginez que ce soit elle qui est un admirateur. Vous la croiriez ? Mais est-ce que vous avez écouté ce que je vous ai dit ? Je n'ai rien fait avec elle. Il n'y a rien eu entre nous. Vous aimez votre femme ? Oui, évidemment, je l'aime. Pourtant, vous risquez de la perdre si ça continue. C'est de l'aspirine. Ah, pardon. Est-ce que ça va ? C'est quoi ça ? Non, mais attends, tu crois que c'est moi... Il y a bien quelqu'un qui l'a fait ! Mais chérie, tu délires ! C'est elle qui a dû faire ça quand elle est venue tout saccager ! Comment elle savait que j'étais allergique à l'aspirine ? Elle a peut-être mis le téléphone sur écoute, non, je sais pas. Non, ne me touche pas. Je sais pas comment elle a appris les 3/4 de tout ce qu'elle sait. Ne laisse pas tomber, Chris, attends ! Thank you.
partir. Je t'appelle quand on est arrivé. Tu es sûre que ça va aller? T'inquiète pas, je me sens bien. Tiens, des belles boucles d'oreilles. Où tu les as trouvées? Par terre dans la salle de bain. Qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Comment? Mais tu as encore plein de traces de maquillage, regarde. Tu es sortie hier soir, hein? Écoute, ma puce, il ne faut surtout pas que tu changes. Lui, ici. Merci d'être venu. Fais attention à toi. Je ne comprends pas. Je n'ai pas pu dépasser la limite des dépenses autorisées. J'ai tout merlevé. Il ne concerne qu'un compte. Je n'en ai qu'un seul. Non, il y a deux comptes. Mais comment ça, il y a deux comptes? Je n'en ai jamais ouvert un deuxième. Et on ne reçoit des relevés que pour un seul compte. C'est parce que les factures et les relevés de ce deuxième compte sont envoyés directement à une boîte postale à Southport, numéro 911. Mais, attendez, il y a quelque chose qui cloche. J'ai une seule carte, un seul compte, j'ai mon nom marqué sur ma carte et ma femme a le sien sur la sienne. Mais nous n'avons qu'un seul compte. Une autre carte qui a été délivrée à Lorraine Alexander. Je me rappelle, c'est moi qui ai rempli les papiers. Lorraine Alexander? Avec l'autorisation de qui? Votre femme. Je suppose que c'est son nom de jeune fille. Non, non, ce n'est pas son écriture. Je vous demande pardon. Elle vous a montré ses papiers? Oui, bien sûr. J'ai vu son permis de conduire, il me semble. Elle connaissait le numéro et les renseignements qu'il me fallait. Comment était-elle? Votre femme? Oui, comment était-elle? Elle était jeune. Plutôt chic, si je peux me permettre. Élégante. C'est elle? Non, ce n'est pas elle du tout. Mais qu'y a-t-il, monsieur Lansford? Si vous avez un problème, non, je peux... Non, ça va. Je vais régler cela moi-même. Il a dit qu'elle était chic, jeune, assez élégante. Ouais, ça peut être n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui. Elle peut avoir accès à tous mes papiers personnels. À la banque, ils m'ont dit qu'elle avait mon numéro de sécurité sociale, mon numéro d'immatriculation, mon numéro de carte de crédit. C'est dément. Je me demande si c'est pas quelqu'un du bureau. C'est vrai, là-bas, il y a tout dans mon dossier. Qui donc? Jack tout de travers? C'est vrai, il est jeune, mais je crois pas qu'on puisse dire qu'il est élégant. Ah, c'est vraiment à mourir de rire. Excuse-moi, te fâche pas. Jean? Sûrement pas. Elle était au restaurant l'autre soir. Sois raisonnable, j'admets que l'idée est séduisante. Il m'est arrivé d'y penser personnellement. Mais non, Jean. Elle n'est pas cinglée. Ah, t'as sûrement raison. Tu te rends compte que c'est moi qui ai payé pour subir son numéro de séduction? Elle fait de ma vie un enfer et en plus c'est moi qui le finance. Bon sang, c'est trop tordu tout ça. Chris commence à disjoncter, elle ne veut plus rien entendre. Salut. Tu as besoin d'aide? Chris, écoute. J'ai envie qu'on s'en aille. Je viens de voir Ferguson. Il a un chantier à Las Cruces, au Nouveau-Mexique. Ici, Enter peut se passer de moi. C'est moins payé, c'est sûr, mais ça m'est égal. Je veux qu'on s'en aille. Je voudrais partir la semaine prochaine pour nous trouver une maison. Et toi, tu pourrais me rejoindre dans 15 jours. Oh, d'accord. Tu te prends 8 jours seul avec Lorraine et je suis coincée ici? Quoi? Ou c'est là-bas qu'il m'arrivera quelque chose? Je ne connais personne à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, moi. Tu me crois vraiment stupide? Oh, bien sûr que non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Simplement, je ne veux pas t'entraîner là-bas avant de savoir ce que je vais trouver. Surtout après ce qui s'est passé ici. Donne-moi juste une semaine. Ne sois pas surpris, si par hasard je ne viens pas dans une semaine. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu réagis comme ça? Je te déteste! Chris! Espèce d'un salaud! Chris, arrête! Arrête! Je te déteste! Allez, calme-toi. Allons-nous-en. C'est fini. Partons tous les deux. Je te ramène à la maison, d'accord? On éteint les lumières et on s'en va. Est-ce que tu es sincère? Oui, bien sûr, je t'aime, je suis prêt à le faire. Ou peut-être que je te laisse ta liberté. Non,
Non, arrête de dire ça. C'est pas ce que je veux. Mon amour. Je te... Serre-moi. Oh, mon amour. Serre-moi. T'inquiète pas. On s'en ira demain matin, de bonne heure. On partira loin de cet endroit. On partira loin d'elle. Laisse une fenêtre ouverte en bas. Chris ? Bon, c'est tout. Vous m'arrêtez ou pas ? Vous pouvez rentrer et prendre vos affaires, mais vous ne vous réinstallerez que quand on en aura fini avec tout ça. Vous perdez votre temps là-bas. À l'heure qu'il est, Lorraine prend le premier avion pour s'en aller très loin d'ici. Vous savez, si c'est pas vous qui la trouvez, ce sera moi. Oh non, vous n'allez rien faire. Attention, je n'attends qu'une bonne raison de vous boucler pendant que je règle ce dossier. Si vous êtes malin, ne m'en donnez pas. Dehors. Je vous ai assez vu pour l'instant. Ah non, ce qui compte, elle... C'est la réalité, ce n'est pas une page de votre torchon. Une femme a été tuée. Bah, il faut bien que je fasse mon boulot, non ? Bon, allez. Sortez par là. Et toutes gardées. Allez chez la fleuriste. Et je vous en prie, faites-la parler. Je suis allée chez la fleuriste. Et elle n'en sait pas davantage que l'employé de banque. Une vague description. Écoutez-moi. Elle est quelque part, elle existe. Retrouvez-la, dépêchez-vous. Allez donc, cherchez vos affaires et allez-vous-en. Parce que tout ceci n'apportera rien de bon. D'accord ? Nous avons trouvé quelque chose. Regardez. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bien. Ils ne veulent pas que je reste là-bas pour essayer de trouver une piste. J'ai dû passer à côté de quelque chose, d'un indice. Ils s'en occupent. Ils s'occupent de rien du tout. Ils croient que c'est moi l'assassin. Je me suis envoyé un fax aussi. Oui, quel fax ? Hier soir, j'ai reçu un fax qui disait « Laisse une fenêtre ouverte ». J'ai fait le tour de la maison, j'ai vérifié les portes et les fenêtres, tout était bien fermé. Donc, je leur ai laissé entrer.
S'ils croyaient que c'est toi, ils t'auraient jamais laissé libre. Ils n'ont pas l'intention de t'inculper. Te fais pas de soucis. Ça m'est complètement égal, tout ça. Si tu savais ce que je me fous de ce qui m'arrive. Elle a tué ma femme, Hunter. Elle a tué Chris. Elle m'a enlevé Chris. Allez, Jim, courage. Je suis sûr qu'on va éclaircir cette histoire. Salut, mon grand. Je suis ravie de te voir. Gentil. Chaque fois que je vois quelqu'un maintenant, je me dis... Est-ce que c'est elle? On la trouvera. Bonjour. J'ai fait des copies de toutes les cartes ainsi que des bandes. Des bandes? Mmh. Oh, ça... Je n'en ai jamais reçu qu'une, moi. Je sais. Chris enregistrait régulièrement les appels sur votre ligne directe. Il se peut que vous découvriez quelque chose. Vous me tenez au courant? Je n'ai pas arrêté de penser à toi aujourd'hui et à la nuit passionnée qu'on a passée l'autre fois. À tes mains qui me parcouraient. Oh, oh tes mains. C'est d'elles que je pense en ce moment. Je te manque. J'attendais votre coup de téléphone. C'est vrai? Je suis allée passer le week-end à New York. Un petit voyage culturel. On devrait y aller ensemble. J'ai regardé les lumières dehors. Je me suis promenée dans le parc. J'ai beaucoup pensé à nous. Je suis arrivée à certaines conclusions. Chris doit nous laisser tous les deux. Il faudrait qu'on se retrouve quelque part. J'ai été patiente. Personne ne peut m'accuser de ne pas avoir été patiente. Mais tu n'as pas fait ce que tu avais dit, Jim. Tu ne l'as pas quitté. Tu as peur qu'elle nous écoute. Tu n'as pas fait ce que tu avais dit, Jim. Tu ne l'as pas quitté. Tu ne l'as pas quitté. Chris. Ce n'est qu'une petite souris. Bon, alors on peut se voir, oui ou non? Ça m'a percé. C'est passé quelque chose. Je voudrais qu'on discute. D'accord. Où veux-tu qu'on soit, Jim? Tu veux que je passe te prendre? Dis-moi seulement. Vous désirez, monsieur? Vous avez un téléphone? Oui, il y a une cabine là-bas, près des toilettes. Non, non, je voulais dire ici, au bar. Eh bien, il y en a un au bar, en effet. Mais... Mais quoi? On le réserve aux habitués, je suppose? Oui. Qu'est-ce que vous prenez? Donnez-moi un bonbon. Allez-y, téléphonez si vous voulez. Il y a une femme qui passe ici quelquefois. Elle vient s'asseoir de ce côté du bar. Elle téléphone. Elle s'appelle Lorraine. Non. Je ne vois pas. Écoutez, je sais très bien qu'elle vient ici. Et elle s'assoit à cette place. Vous l'avez vue quand pour la dernière fois? Et qui a dit que je l'avais vue? Non. Alors, dites-moi quand. Écoutez, je ne veux pas être mêlée à des histoires... Mais vous allez vous en mêler cette fois-ci! Dites-moi tout de suite qui c'est! Oh, il y a un problème. Le mari est au relais du bois. Apparemment, il embête un peu les gens. Et puis, on a trouvé quelque chose dans la voiture. Très bien, allons-y. Il faut que je sache. J'ai le droit de savoir. C'est injuste. Je m'en charge, laissez. Il connaît Lorraine, il veut rien me dire. D'accord. Asseyez-vous. C'est vous le barman? Oui. J'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est elle? Non, c'est... Attendez un peu, qu'est-ce que c'est? Faites-moi voir ça.
Vous avez perdu la tête, mais c'est n'importe quoi, ça! Je veux que vous me laissiez faire mon travail tranquillement. C'est elle. Qui? Tais-toi. Mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Mais c'est insensé, c'est du délire complet! Asseyez-vous. Depuis combien de temps venait-elle? Un ou deux mois, je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? Elle s'asseyait toujours au bar? Oui, au même endroit, elle téléphonait beaucoup, elle se comportait toujours bien, des types essayaient toujours de la brancher, mais elle avait un petit ami, le type du téléphone. Cette photo, elle a été prise il y a longtemps. Le psy dit que c'est un cas de dédoublement de personnalité. Écoutez, on a trouvé des choses dans sa voiture. Il y avait une robe de soirée, des bijoux de valeur et une perruque, tout pour transformer son apparence. Ce n'était pas Chris. J'ai causé avec cette femme, j'ai causé avec elle plusieurs fois. Si c'était la voix de ma femme, je l'aurais su. Non, c'était pas Chris. C'était une partie de Chris. Elle avait une autre voix, elle avait d'autres vêtements, elle avait une autre écriture. On a trouvé des cartes de crédit et un passeport. Le docteur dit qu'elle a tout fait pour être gauchère. Et c'est ça qui nous a trompés. C'est cette blessure à la tempe gauche. J'y crois pas. J'ai vu le fax. Laisse une fenêtre ouverte. Il n'y avait aucune indication en haut de la page. Donc, je suppose que Chris a dû écrire ça, puis elle en a fait une copie avec le fax de la maison. Elle ou Lorraine. Donc, ça voudrait dire qu'elle s'est tuée. Je n'en sais rien. C'est comme ça que vous le voyez. Je ne croirai jamais à tout ça. Vous ne pourrez pas me faire croire ça. Trouvez Lorraine. Secouez-vous, retrouvez-la. Faites votre boulot, bon sang. Trouvez-la. Je suis désolée. Sincèrement désolée. Croyez-moi. Pas vivre sans.